Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va réaliser les exercices de conjugaison, page 186. Les exercices d'évaluation et consolidation, troisième semaine, santé et maladie. Santé et maladie, unité 6, l'unité d'évaluation et consolidation, troisième semaine, santé et maladie, numéro 1. Alors, on va faire une révision complète avec le verbe être ou avoir au présent. Il, du courage. Le verbe être ou bien le verbe avoir. On dit il a. Le verbe avoir, troisième personne, il a du courage. Nous, des sportifs. Nous sommes. Le verbe être, nous sommes. Des sportifs. Vous, malade, vous êtes malade. Vous avez de la fièvre. Vous avez de la fièvre. Ils en vacances. Ils sont en vacances. Tu, très peur. Tu as, verbe avoir, tu as très peur. Numéro 2. Entoure les verbes du premier groupe conjugués au présent. Les verbes du premier groupe au présent. Attention, voilà. Nous l'avons. C'est le verbe laver. Nous l'avons. O-N-S. Tu vas. Tu vas. Va, c'est le verbe aller. C'est pas le premier, c'est le troisième groupe. Ils arrivent, ENT. C'est le verbe arriver au présent. Entoure, voilà le premier groupe. Voilà le premier groupe. Tu viens, viens, c'est le verbe venir. Troisième groupe. Je raconte, raconter. C'est le premier groupe. Je raconte à la fin, E. Ils offrent, ils offrent. Le verbe offrir, c'est le troisième groupe. Nous réussissons. Deux S-O-N-S, ça c'est le deuxième groupe. Vous écoutez, écoutez, c'est le premier groupe. Il crie, le verbe crier, ça c'est le premier groupe. 3. Complète les verbes avec le pronom qui convient. Marcher, doucement. EZ, alors vous marchez. Vaccine les bébés. Un pronom. Il. Troisième personne du pluriel. Ou bien elle. Féminin pluriel. Elle vaccine. Il vaccine ou bien elle vaccine. Soignant. Nous. Nous soignons les malades. 4. Écris correctement les verbes entre parenthèses au présent. S'appeler, le verbe grandir rapidement. Grandir, c'est quel groupe? Grandissant, c'est le deuxième groupe. S'appeler grandit. Elle grandit à la fin, IT. C'est le deuxième groupe. La deuxième phrase, nous avons de la fièvre. Nous, le verbe frémir, c'est le deuxième groupe. Frémir. Sans. Deuxième groupe, deux S-O-N-S. C'est comme finir, choisir. Tu, le verbe maigrir, c'est le deuxième groupe. Tu maigris à la fin, I-S. Tu maigris, il maigrit, ne maigrissant, vous maigrissez, ils maigrissent. C'est comme le verbe finir, choisir, ça c'est le deuxième groupe au présent. Vous devez réviser les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe au présent. C'est simple, c'est facile. 5. Écris correctement les verbes entre parenthèses au présent. Ce sont les verbes du troisième groupe. Je pars. Partir. Je pars avec S. Tu pars avec S. Il part avec T. Nous partons, vous partez, ils partent. Connaître. Elle connaît. Je connais avec
S, tu connais avec S, il connaît avec T. Ne connaissant, vous connaissez, ils connaissent. Écrire, elles écrivent. Troisième personne du pluriel. J'écris, tu écris, ils écrivent, nous écrivons. Vous écrivez, ils écrivent au présent. ENT. Nous, le verbe suivre. Nous suivons. Je suis, tu suis, il suit. Nous suivons, vous suivez, ils suivent. Nous suivons. ONS. Ce sont les verbes du troisième groupe au présent. Nous suivons. Je suis, tu suis, il suit. Nous suivons, vous suivez, ils suivent. 6. Entoure les verbes au conditionnel et barre ceux au futur. On a dit le conditionnel, c'est le verbe au futur plus la terminaison de l'imparfait. Je partirai. RAI. Ça, c'est le futur. Le futur simple. Alors, je vais barrer. Moi, je vais mettre une croix. Tu voudrais bien m'accompagner? Tu voudrais. Ça, c'est le conditionnel présent. RAIS. Pourriez-vous être à la maison demain? Pourriez. RIEZ. Ça, c'est le conditionnel. Ils auront les raquettes demain. Auront. RONT. Ça, c'est le futur simple. Ne mangerions volontiers vos gâteaux. RIONS, ça c'est le conditionnel. C'est le futur plus la terminaison de l'imparfait. IONS, la terminaison de l'imparfait. Auriez-vous ce médicament, s'il vous plaît? Auriez. RIEZ, ça c'est le conditionnel présent. Si vous lui parliez, ça. Parliez. Parlier, IEZ. Ça, c'est l'imparfait. Ce n'est pas le futur, ce n'est pas le conditionnel. Elle finirait. RAIT. Ça, c'est le conditionnel présent. Par comprendre, le verbe n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. S'il vous plaît, plaît, c'est le verbe au présent. Alors, les verbes au conditionnel, voudrez, pourriez, mangerions, auriez, finirez. Numéro 7. Conjugue ces verbes au conditionnel présent. Vous, le verbe être, vous seriez. Je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez. Il serait. Finir. Il finirait. R-A-I-E-N-T. Troisième personne du pluriel. Nous, le verbe avoir, nous aurions. Nous aurions RIONS. Je, le verbe venir, je viens, dré, RAIS. Tu, le verbe parlerai, parlerai, RAIS. Il dormirait, dormirait, RAIT. Il mangerait, R-A-I-E-N-T. Troisième personne du pluriel. Alors voilà la correction. D'abord, vous allez réaliser les exercices individuellement. Après, vous corrigez.